Les images parlent d'elles-mêmes. L'expérience l'a emporté sur la jeunesse, sur la fougue. Tout simplement. Mais bon, quand même, ça faisait 2 heures qu'ils s'entraînaient. C'est ça. 2 heures, et pas où tu marquais un essai. Bastaro va assurer 5 points minimum grâce à cet essai. Ouais, c'est vrai que le match quand même témoigne que la possession ne fait pas le score quand même. Parce que... Il y a quand même pas mal d'occasions, mais... Ah, moi, c'est les plaquages. Les gros plaquages, là. Tous les ballons qui explosent et tout, c'est vraiment réaliste. Enfin, me concernant. Top 3. Guillaume Guirado, grand capitaine. Kieran Reid. Et pour apporter un peu de magie, Baptiste aussi. Je vais retourner le compliment à Mathieu déjà pour la... un peu de férocité, un peu de densité au milieu de terrain. Je dirais Bodon Barrett, Dan Cole et ouais, c'est bon, les trois avec Mathieu. Moi je dirais comme tout jeu de sport, les caractéristiques des joueurs, vraiment que les traits de physique ressortent chez le joueur et les caractéristiques dans le jeu. Je pense que c'est important. Le réalisme. La vitesse aussi. Enfin, pour moi, c'est deux choses qui font que je vais plus jouer à un jeu qu'un autre. Cette petite gâchette au niveau des racks, là, pour qu'il y ait moins de joueurs dans les racks, David a appelé le 9 pour que ça éjecte vite. De ne pas avoir passé 2 heures dessus et de perdre après. Ça, ce serait quand même. Ça, c'est ridicule. Quoi. C'est autant le prendre en main et après gagner. Pas rester 2 heures et. Oh ouais, je ne dis personne.